Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une transposée, une question qu'on peut avoir, c'est si prendre la transposée d'une matrice change son déterminant. Et c'est ça qu'on va regarder dans cette vidéo. Donc d'abord, on va regarder ce qui se passe pour une matrice de 2. Donc je définis A est égal à a, B, c, D. Et si je prends donc le déterminant de A, donc le déterminant de A, qu'est-ce que ça va être Ça va être AD moins C. B. Maintenant, si je prends la transposée de A, donc je vais avoir A, B, C, D, et donc quel va être le déterminant de la transposée Ça va être AD moins CB. Donc là, pour un cas en tout cas en dimension 2, il semblerait que eh bien, le déterminant d'une matrice A est égal au déterminant de sa Transposé. Maintenant on va regarder si c'est vrai pour n'importe quelle matrice, quelle que soit sa dimension. Et pour ça, eh bien, on va faire une démonstration par récurrence. Et donc pour faire une démonstration par récurrence, eh bien, on a déjà fait la première étape ici. On a montré que eh bien, la propriété qu'on veut démontrer, donc ça va être celle-ci, la propriété P, c'est-à-dire que le déterminant d'une matrice A est égal au déterminant de sa transposée. Donc on a déjà montré cette que cette propriété-là était vraie pour un cas très simple, le cas euh, de dimension 2. Et maintenant on va montrer que c'est vrai euh, pour des dimensions plus élevées. Et pour ça, eh bien, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va déjà euh, on va supposer que cette propriété est vraie pour une matrice n fois n. Donc si j'ai B qui est euh, n fois n, n lignes, n colonnes, et eh bien je suppose que le déterminant de B est égal au euh, déterminant de sa transposée. Donc je suppose que cette propriété-là est vraie, et étant donné ça, et eh bien on va regarder si c'est vrai, donc si cette propriété-là est vraie pour une matrice qui a pour dimension euh, n plus 1 lignes et n plus 1 colonnes. Et si on montre en fait que c'est vrai, pour une matrice avec n plus 1 ligne et n plus 1 colonne. Alors on aura démontré la propriété, puisqu'on sait que la propriété est vraie pour une matrice 2 x 2, donc ce sera vrai pour une matrice 3 x 3, 4 x 4, et etc. Voilà le euh, raisonnement. Donc maintenant on va poser donc, euh, donc euh, on va poser une matrice, on va dire, on va la rappeler A ici, euh, qui va être avec n plus 1 lignée, n plus 1. Colonne. Donc, pour un peu de simplicité, ce qu'on va faire ici, c'est que euh, n plus 1, je vais appeler ça m. C'est juste pour la notation. Hein. Et m ici. Donc, alors, cette matrice-là, ça va être égale à quoi Eh bien, ça va être égale à, comme d'habitude, j'écris mes petits coefficients. Donc, a11, a12, etc., etc., a1m. Ensuite, a21, a22, a2m jusqu'à ici AM1 AM2 etc etc A, m, m voilà ma matrice A maintenant quelle va être la transposée de ma matrice A Eh bien ça va être aussi une matrice avec M lignes M colonnes puisque la matrice est carrée on va juste eh bien juste transposer les lignes en colonnes donc je vais avoir ici A11 a, 2, 1, pardon. A, 1, 2, etc., etc., etc. A, 1, M. Ensuite, ici, A, 2, 1, A, 2, 2, etc., etc., etc. A, M, 2. Je continue jusqu'à la dernière ligne qui va devenir ma dernière colonne. am M, 1, am M, 2, etc., etc. A, M, M. Donc, voilà la transposée de ma matrice A. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est calculer eh bien, les déterminants de ces deux matrices et regarder s'ils sont égaux. Donc, quel est le déterminant de ma matrice euh, A ici Donc, dette de A, que j'ai noté jusque-là avec, euh, avec des barres sur le côté, hein, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce que je fais, c'est que je vais prendre ici la première ligne et utiliser les coefficients de la première ligne. Donc ce qu'on a vu, c'était que eh bien, on prend le premier coefficient a11, on le fait le produit avec la matrice qui reste si on enlève, on ignore la ligne et la colonne de ce premier coefficient, donc il nous reste déterminant ici, déterminant d'une matrice qu'on va appeler grand A1. Donc cette matrice là, c'est quoi C'est celle-ci ici là. Voilà, cette matrice là qui est une matrice n ligne n colonnes. ça va être intéressant pour plus tard. Ensuite, moi, moins a1, 2, et eh bien déterminant de A1, 2, etc. etc. Jusqu'au dernier coefficient ici. Donc le dernier coefficient, ben, je ne connais pas son signe, parce que je ne connais pas la parité de m. Donc ce que je vais faire, c'est que eh bien, je, vais prendre, je vais prendre un moins 1 que je vais mettre en, fact... en puissance 1 plus. M pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avoir la valeur de ce dernier coefficient ici. Donc A1M euh, déterminant de la matrice A1M. Voilà le déterminant de ma matrice A. Maintenant, euh, pour le déterminant eh bien, de ma matrice euh, de la transposée de la matrice A. Donc A a de t. Qu'est-ce que ça va être Et eh bien ce qu'on a vu dans les vidéos sur déterminants, c'était qu'on n'était pas obligé d'utiliser ici la première ligne pour calculer le déterminant. On peut utiliser n'importe quelle ligne et aussi n'importe quelle colonne. Donc là, vu qu'on essaye de montrer l'égalité entre déterminant de A et déterminant de A, de la transposée de A, eh bien je vais prendre ici les mêmes coefficients, mais qui sont maintenant euh, ici en colonne. Donc je vais prendre, euh, je vais prendre exactement les mêmes coefficients. Donc je fais la même chose ici, c'est-à-dire que je prends le coefficient A11 et euh, je, vais, euh, je vais aussi le multiplier par le déterminant euh, de quoi Eh bien par le déterminant de la matrice ici qui me reste si j'ignore eh la ligne et la colonne de A11. Donc c'est comme si en fait j'ignorais ces deux lignes-là. Donc qu'est-ce que c'est que cette matrice-là en violet par rapport à cette matrice-là en vert Eh bien si je regarde bien... Ici, c'est tout simplement la transposée de cette matrice là. Donc en d'autres termes, c'est A11 transpose. Voilà, tu vois bien que ici, ici, la première ligne ici est devenue ici la première colonne. D'accord Donc c'est bien la transposée. Et en fait, ça va être vrai pour toutes les sous-matrices qu'on a utilisées ici. Donc je vais avoir moi A12 déterminant de A1, 2, de, trans, de la transposée de A1, 2, plus, etc., etc., plus moins 1, 1, plus, puis à la puissance 1 plus M, A1M de déterminant de A1M, la transposée de A1M. Voilà ce qu'est le déterminant de euh, la transposée de A. Donc maintenant, Qu'est-ce que je peux faire Eh bien, en fait, je vais, je vais utiliser ce que j'ai supposé vrai depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, j'ai supposé que le déterminant d'une matrice de dimension n fois n était égal au déterminant de sa transposée. Donc ici, quelles sont le, les, les dimensions de ces sous-matrices ici Eh bien, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais ces sous-matrices-là, en fait, elles sont de dimension n fois n. Elles ont n lignes et n colonnes, puisqu'ici cette matrice A a n plus 1 ligne et n plus 1 colonne. Et donc on ignore une ligne et une colonne, donc il ne nous reste plus que n lignes et n colonnes. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, eh bien là, le déterminant de la transposée de A1, euh, eh bien, c'est égal au déterminant de A11. Donc je peux tout simplement ici réécrire que déterminant de la transposée de A ici est égale à A11, déterminant de A11, moins A12, déterminant de A12, plus, etc., etc., plus moins 1 puissance 1 plus M, A1M, déterminant de A1. Et donc là, qu'est-ce qu'on a montré Eh bien, on a montré exactement ce qu'on voulait. On a montré que, eh bien, on a déterminant, déterminant de A est égal à déterminant de la transposée de A dans le cas où n est une matrice à n plus 1 ligne et n plus 1 colonne. Donc, en supposant vrai l'intropropriété, euh, pour des matrices de dimension euh, n fois n, et bien on a montré que cette propriété-là était vraie pour une matrice de dimension n plus 1 fois n plus 1. Et donc, ça, ça veut dire que cette propriété est vraie pour tout n, puisque j'ai réussi à. Enfin, au tout début, j'ai montré que la propriété était vraie pour un cas trivial, le cas 2 fois 2. Donc, ça va, cette propriété va donc être vraie pour le cas 3 x 3, pour le cas 4 x 4, pour le cas 7 x 5, etc. etc. Jusqu'à n de dimension euh, infinie. Donc voilà, on a montré une propriété très utile ici, qui est que eh bien, le, euh, prendre la transposée d'une matrice ne change pas son déterminant.